Tu m'aides à ouvrir, chaton? Quand on parle de chaton, bah loulou! Allez, c'est parti. Et voilà, c'est ouvert. Et oh là là, les jolies couleurs! Elles ont kiffé! Bah, Nex, c'est pas. Non, vous avez rien vu. Hop! Non, c'est mon chien, il s'amuse avec mes chaussures à chaque fois. Mais franchement, de superbes couleurs. C'est un tapis en mousse. Et en fait, ça va permettre de le mettre dans le parc à bébé. Nex! En fait, le but du jeu, c'est qu'il me ramène les chaussures et je dois lui les balancer. Et lui, il me les rapporte. Kerzel, pourquoi il n'y a pas de vidéo? Et voilà, tétine. Check. Allez, round numéro 450 000 dans ma journée. C'est reparti. Oh, c'est encore toi. C'est encore toi. Tiens. Toi, t'es sage. Oh, toi, t'es sage, toi. Toi, par contre, hein, t'es le démon, hein. Démon Gorgon, là, aujourd'hui. La vue de mes filles. Bonjour maman. Sans déconner, il faut que je commence à bosser moi. Enfin, bosser. Les youtubeurs, ça ne bosse pas, voyons. Non, quand je parlais de bosser, c'est enfin ce truc-là, là. Là, là. Là, ça va être la bagarre avec ça. Ça va être clairement la bagarre. Bah, c'est parti, vous allez comprendre ce que c'est. Même si on a peut-être qu'ils ont déjà deviné. Ah non, c'est pas bon. Mais, non, mais c'est toujours pas bon. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà. Oh, trop bien. Bon, le parc, normalement, il est plus grand. C'est là, je l'ai plié pour que ça rentre dans ma superficie de salon. Et bah, là, en fait, il y a triple épaisseur. C'est-à-dire qu'il y a trois fois un tapis. Je sais pas c'est laquelle couleur que je vais mettre au-dessus. De toute façon, hein, on va bientôt déménager. ah bon? Mais je vous montre ça avant de vous en parler. Voilà, j'ai mis voilà en dessous, il y a bleu, rose et je sais pas quoi. Et puis là, il y a encore une troisième. Triple épaisseur, comme les rouleaux de PQ. Il y a plusieurs épaisseurs. Voilà. Non, en vrai, je vais faire ça bien quand on sera dans l'autre maison, puisque le parc sera complètement déplié. Et on pourra, je vais découper pour que ça fasse vraiment un beau carré. Mais bon, pour le moment, là, ça sert à rien, je vais me faire chier pour rien, hein, je le dise. Je ne sais même pas dans quel sens va être mis le parc dans l'autre maison. Mais voilà ce que ça donne. Et là, bientôt, je vais mettre un jeu pour les petites. Vous allez voir. C'est pas pour toi le parc, hein, loulou. Elle est où la caméra, là? Que je regarde bien, enfin, que je vois, quoi. Non, mais ouais, parce qu'en plus d'avoir accouché de jumelles, on va déménager, puisque forcément, on n'a pas cette place ici. On a acheté une maison. On va y déménager. Si ça vous dit, je pourrais faire une petite vidéo, enfin des petites vidéos dessus. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et comme on déménage, ben on vit actuellement un peu dans les cartons. Et comme on vit dans les cartons, ça fait plaisir de recevoir des colis avec des cartons. non, enfin là c'est pour, enfin devinez quel carton pour le chien, quel carton pour les petites. Bon, ça pampers, vous savez, mais ouais. Il y a autant de cartons pour les animaux que pour les petites. Mais non, ça fait plaisir. Comme ça, moi, je récupère les cartons pour le déménagement. D'ailleurs, petite astuce pour les personnes qui déménagent, vous n'êtes pas obligé d'acheter des cartons. Vous pouvez aller en demander à McDo. Et y aller, vous savez, tôt le matin, quand c'est pas le rush, et qu'ils peuvent vous répondre et ils peuvent vous donner des cartons. Parce qu'en fait, nous, c'est ce qu'on faisait quand je travaillais au McDo. On donnait des cartons à ceux qui déménagent. J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a, mon chaton? Tu veux ta tétine? Tiens. Toi, oh, elle est gentille. Oh, avant c'était l'inverse. Non, c'est toi qui es toute gentille. Oh, elle me regarde, elle est toute mignonne.
Avec l'arrivée des jumelles, non seulement on déménage, on a dû changer de voiture également, on a dû acheter tout en double, on a... c'est déjà pas mal en vrai, arrêtons hein. Faudrait que je fasse une petite vidéo sur la naissance parce que ça s'est pas forcément passé comme prévu. Maintenant j'ai envie de dire quel accouchement se passe comme prévu, je pense qu'il y en a très peu. Mais ouais. Faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus, si ça vous intéresse toujours, parce que je sais qu'à un moment donné, vous me l'aviez... Pourquoi je regarde à droite, en fait, la caméra à gauche? C'est... Quinzaine, pourquoi il n'y a pas de live? Voici mon ordinateur. Ma chaise... Oui, bonjour. Et voici les petites qui sont juste derrière, donc c'est un peu compliqué, même pour faire des vidéos. Et la zone toxique. Oh mon dieu, quel bordel, mais bon. Oh chouchou, ils ont besoin d'amour ces animaux. J'ai l'impression qu'on réorganise H24 tout en fait, hein, que ce soit, bah, surtout pour les petites, sur la table. Normalement elles n'étaient pas dans cette chambre, puis elles sont dans cette chambre, puis on a une table allongée, puis finalement on a changé de table pour la mettre sur une table, une autre table. Enfin, les vêtements pareil, oh là là. Elles portent du 3 mois, bientôt du 6 mois, elles ont même pas... Enfin, si maintenant elles ont 2 mois. Donc ça va vite les vêtements et puis les tailles, puis il y a des tailles ça leur va, des tailles qui sont censées être la même taille ça leur va pas, je comprends rien. Ah c'est dur. Ah et j'oublie aussi, hein, j'ai chopé l'angine blanche, bon là ça va, j'ai guéri. S'occuper toute seule de jumelles pendant la journée parce que ben faut travailler aussi, hein, mon copain travaille. Moi je chope une angine blanche, super, et tout ça à cause de... À cause de ça, un climatisateur. Voilà. Non, je rigole bien évidemment, c'est super utile une clim quand on est en pleine canicule parce qu'il fait très très chaud et on l'a mis à l'opposé extrême de là où il y a les petites, comme ça elles chopent pas froid. Par contre forcément quand on fait la cuisine il faisait froid et j'aurais peut-être dû l'éteindre pendant que je cuisinais et je l'ai pas fait et j'ai chopé une angine blanche. Et le pire c'est que mon copain me disait quelques temps avant oui bah tu sais souvent les gens ils sont malades à cause de la clim. Ah bah merci, surtout que c'était lui qui la voulait. Trop contente, il est trop beau. C'est un tapis d'éveil, j'ai acheté sur Vinted d'occasion, donc j'ai regardé neuf, c'est entre 69 et 79 euros, ça dépend où on l'achète, je l'ai acheté 40 euros sur Vinted. Le seul petit hic, bon c'était bien sûr mentionné sur l'annonce, c'est qu'il manque un petit crochet pour accrocher, je crois elle s'appelle, comment elle? Dory déjà je crois. Ouais Dory, ici. Donc c'est pas bien grave, je pourrais en piquer un d'un autre jouet et le mettre ici à la place. C'est pas dérangeant. Et en fait, s'il y a assez de place pour mettre deux petites, j'avais vu sur une annonce aussi qu'une personne les avait utilisées pour mettre des jumeaux dedans. Donc je vais pouvoir les caler ici, tranquillement. Alors désolée hein, pour la lumière, mais voilà, il y a la lumière. Enfin, on vit dans une grotte. Voilà, depuis la canicule, dans le salon, c'est les volets fermés toute la journée. Il y a juste la nuit on ouvre tout pour rafraîchir la zone. Mais voilà, je pense que on est pas mal. Je mettrai des coussins sur les contours en attendant que ici n'est pas coupé en dessous. Mais de toute façon, c'est sous surveillance à chaque fois. Ici, c'est sous surveillance. Elles seront pas toutes seules et on pourra les surveiller en regardant la télé ou quoi, ou en faisant autre chose. Là, il faut que j'investisse dans un ordinateur portable parce que comme ça, je pourrais jouer avec elles ou être à côté avec un PC pour continuer à bosser plus tard. Mais je sais pas, j'hésite entre un Mac ou pas. Voilà, pour les montages, tout ce qui est montage, etc. J'ai envie de tester le logiciel de montage. Et attendez, c'est pas fini. Regardez, c'est en plus de ça, hop, je rentre dans le parc, je rentre dans la zone... qui ne m'appartient pas. La frontière, la douane va me choper. Bon, j'arrête mes conneries. Donc, je sais pas ce que c'est. Alors, ok. Je crois que c'est d'abord ici. Voilà, ça, c'est le bruit de l'eau, je crois. Je sais pas si vous entendez. Stylé, ça donne envie d'aller se baigner. Waouh, calme-toi, frérot. Ouais, il y a une lumière, elle s'est allumée. Oula. Ah ouais, stylé. Et je crois qu'il y a un autre mode avec de la musique. Non, je sais pas ce que j'ai foutu. Peut-être que c'est l'autre bouton. Ok, là, je pense que c'est sans musique, juste avec de la lumière. Et à gauche... Oh! Ah ouais, ça, c'est la Disco Nights. La discothèque, yeah. Elles vont kiffer. Elles vont kiffer, j'ai trop envie de les mettre dedans, maintenant. Attendez. Allez, c'est vous, le bébé, là.
Alors qu'est-ce que ça donne, les gars? Moi, je regarderai ça au montage. Je ne vois pas ce qui se passe en dessous. Non, mais j'ai clairement aller en dessous, moi. Ah oh, non, mais c'est mort, les gars. Je vais aller en dessous, hein. Ah. Waouh. En vrai, c'est... C'est stylé. Mon chien, il me regarde, il me fait quoi, cette humaine bizarre? Non, en vrai, ça va, c'est stylé. À voir si ça va leur plaire. On verra bien. Allez, je partage avec vous ce moment. Avec un gros plan sur ma grosse tête. Waouh. Sachez, très cher peuple de France, que durant ma grossesse, j'ai arrêté le saucisson et les boissons énergisantes. C'était que pour mieux les savourer ensuite. Bon, c'est pas le meilleur des monsters, je l'admets, c'est pas le meilleur. J'ai voulu goûter celui-là parce que je me rappelais plus de son goût. Pas ouf, pas ouf. Mais j'en ai plein d'autres.